Bonsoir mon frère Ahmed Adjumandi. Diamant Théa m'a dit quoi, ma soeur? Le débat est ouvert, donc à tous ceux qui voudront intervenir peuvent le faire. C'est toi qui as toujours soif, Negro. Hey. Les Noirs sont champions de la guerre. Arrêtez ça, mes frères. Arrêtons dessus comme mouton. Mets dans la main, on va avancer. Aïgro Josué. Bonsoir, mon frère. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo puis. Tu es champion de la guerre, mais c'est toi qui as toujours fait. C'est toi qui as toujours soif. Negro Yako. Hey Yako, Negro Fille. On te prend pour un imbécile. Et tu suis comme mouton. Tout droit vers l'abattoir. Negro Yako. Pas des jus, s'il vous plaît, ceux qui vont commenter, on n'insulte pas, parce que quand quelqu'un vient sur ma page, c'est pas pour insulter, c'est pour raisonner. Ici on raisonne, ici on n'insulte pas, voilà, pour l'amour de notre pays, de notre continent, l'Afrique, évitons d'insulter les uns et les autres, s'il vous plaît, on prône la paix ici sur ma chaîne. Mais en même temps, on critique voilà, les problèmes de la société. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo pour que tout le monde puisse la suivre ou même le matin. La chanson finit, on commence. S'il vous plaît. Bien que ça finit, nous commençons. Ok. Elle vient de prendre fin, donc nous allons commencer. Le numéro est là, hein, sur le titre de la vidéo. Donc, tous ceux qui voudront intervenir, vous pouvez intervenir par WhatsApp, Imo, Line, L-I-N-E. Vous pouvez intervenir sur ça. Et aussi Viber. Donc, voilà, maintenant ceux qui veulent intervenir directement sur le numéro, ok, vous pouvez appeler parce que c'est coûteux. Donc, bon, ceux qui pensent qu'ils peuvent intervenir sans regretter leurs unités, voilà, ça nous concerne tous. C'est un combat pour toute l'Afrique. Alors, bonsoir à tous et à toutes. C'est toujours l'incontournable, bien qu'il ait compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas de ses mots. Alors, nous avons ouvert ce débat pour que tout le monde puisse participer à ça, que tu sois ivoirien ou pas, que tu sois, quel que soit ton bord politique, même si tu n'as pas un parti politique, mon frère ou ma soeur, ta version compte et ta vision compte pour le continent africain.
pour la Côte d'Ivoire. Donc, on vous appelle tous à commenter. Soit vous pouvez commenter, soit vous pouvez partager, ou soit vous pouvez appeler pour intervenir, voilà, par audio ou par vidéo. Tout dépend de vous. Mais vous aimez intervenir par audio. Donc, la chaîne est à votre disposition. Alors, nous voilà, nous allons parler de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. J'ai posé une question. Si Alassane Ouattara et M. Laurent Gbagbo veulent encore faire une nouvelle guerre en Côte d'Ivoire, si oui, voilà, les militants de Ouattara sont là, les militants de Gbagbo sont là, qui nous le disent. Parce que je ne peux pas comprendre. La guerre est déjà finie, la guerre est passée, on a connu les résultats de la guerre. Nous avons subi ce qu'on devrait subir. Nous avons connu ce que la guerre nous a apporté. Ça nous a apporté la douleur, la mort, la division, la haine, le retard de l'Afrique. Ça nous a montré l'exil, ça nous a montré les prisons. Ça, ce sont les effets de la guerre. Alors, la guerre est passée. Ouattara est au pouvoir. Le FPI est maintenant dans l'opposition. Ok, nous faisons comment? Est-ce que nous allons toujours prôner la haine pour dire qu'il faut encore une nouvelle confrontation entre membres du FPI et membres du RDR? Ou est-ce que il faut, ou bien il faut prôner la paix maintenant? Qu'est-ce que nous devons laisser à nos enfants et les futurs enfants? Est-ce qu'on veut les laisser dans une Côte d'Ivoire divisée? Une Côte d'Ivoire de haine, une Côte d'Ivoire de désordre, une Côte d'Ivoire de non-loi. Est-ce que c'est ce qu'on veut laisser à nos frères et ou bien à nos enfants, ou nous voulons les laisser dans une Côte d'Ivoire d'hospitalité, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire émergente, une Côte d'Ivoire de liberté, une Côte d'Ivoire de sécurité? Alors, dites-le nous. Parce que quand nous voyons sur les réseaux sociaux, et le comportement de certains hommes politiques ivoiriens, on pense que ces gens-là, ils veulent toujours encore une confrontation. Ils veulent toujours encore pousser le peuple qui est innocent. Parce que ce n'est pas tout le peuple qui est innocent. Il y a d'autres parmi le peuple qui foutent la merde. Excusez-moi pour le terme merde, le verbe merde, mais il faudrait qu'on trace les lignes telles qu'elles sont. Voilà, vu sur la carte, il y a d'autres jeunes qui incitent à la haine. Et donc, ceux-là, ils font partie des personnes qui veulent la guerre en Côte d'Ivoire. Ils font partie des gens qui ne veulent pas une Côte d'Ivoire unifiée. Parce que quand je dis une Côte d'Ivoire unifiée, c'est comme si la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Parce que quand on voit les réactions des gens de l'Ouest, des gens du Nord, des gens du Sud, ceux du Centre, on constate que la Côte d'Ivoire est profondément divisée. La Côte d'Ivoire est dans un coma profond et la Côte d'Ivoire doit se réveiller. Mais pour se réveiller, qu'est-ce que nous faisons pour que notre pays soit debout, pour que notre pays se réveille? Est-ce que c'est de rester toujours là pour dire il faut aller déstabiliser, il faut aller faire la bataille, il faut armer les gens? Il faut s'insulter. Est-ce que c'est ça la vraie politique? Est-ce que la politique est égale à la division? Est-ce que la politique est égale aux guerres? Est-ce que la politique sert de s'entretuer? Est-ce que la politique est égale aux injures? Est-ce que la politique est égale à la haine? Est-ce que la politique est égale au désordre? Est-ce que la politique est égale à la souffrance? Est-ce que la politique est égale à, etc., etc. Je ne peux pas finir de citer parce que si je veux citer, je ne peux pas quitter ici aujourd'hui. Alors, j'appelle, chers militants du FPI, chers militants du RDR, chers militants du PDC, j'appelle la société civile, j'appelle tous les fonctionnaires, j'appelle ici les militaires, en un mot, j'appelle l'armée ivoirienne de faire preuve de bon sens, de faire preuve de bon sens. Arrêtons de nous diviser, arrêtons de prôner la haine entre nous, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes sur une seule terre appelée la terre ivoirienne. Nous devons cohabiter. Nous ne pouvons pas nous jalouser les uns et les autres, mes frères et sœurs. Il est temps pour aller à la réconciliation. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de s'attraper les mains dans les mains. Il est temps de proposer des idées pour l'évolution de notre pays. Qu'est-ce que nous devons faire? Puisque nous avons déjà connu la guerre, est-ce que nous voulons continuer dans la guerre ou nous voulons stopper la guerre? Quelles sont les idées?
Quelles sont les lois que nous devons mettre sur les tables, sur la table pour ne plus qu'une telle chose arrive encore en Côte d'Ivoire? Laissez-moi vous dire, quand l'Europe a connu les deux guerres mondiales, la première et la deuxième, les Européens se sont assis sur une même table et ont trouvé des idées pour ne plus que ces guerres reviennent encore sur le territoire européen. Ils ont voté des lois pour ne plus que les nations se confrontent. Une nation plus une nation s'affronte. Donc, les Européens ont voté des lois. Nous, Ivoiriens, on fait comment? Nous, Ivoiriens, on fait comment? Allô? Monsieur. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ah, je vais bien, par la grâce de Dieu. Et de votre côté? Dieu, merci. Mon côté, ça va très, très bien. Je vois très, très bien. C'est au sujet de votre thème-là. Oui. Comme j'ai le matin pour la journée, et au travail la journée. Oui. Si je ne suis pas. Oui. Ce soir, j'étais assis, j'attendais l'émission. Oui. Voilà, c'était au sujet des les deux partis politiques. Oui. Il va rien. Oui. Les deux grands partis politiques, les trois grands partis politiques, il va rien. Exactement. Voilà. Au selon de Babou et Alassane. Oui. Excusez-moi pour le thème que je vais employer. Oui. Je vais demander à certaines personnes, depuis Alassane n'était pas encore au pouvoir. Oui. Ce sont les mêmes gens qui ont fait sa publicité, sinon personne ne connaissait Alassane. Oui. Ce sont les mêmes gens des FPI qui ont fait la publicité d'Alassane. Oui. Moi, je faisais je suis la PC à Bio. Oui. Car j'en ai tout près Bio, c'est la PC. Oui. À Bio. Et c'est de quoi je parle. Oui. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, tu sais, personne ne peut laisser son leader. Oui. C'est-à-dire, quand tu fais un enfant, oui. Est-ce que tu peux emmener ton enfant à cause de quelqu'un d'autre? Je vous écoute. Pas. Donc, c'est comme ça aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue. Oui. Aujourd'hui, ils ont fini la publicité des Ado, aujourd'hui, au pouvoir. Les mêmes encore font toujours sa publicité. Mais s'il vous plaît, je ne vous coupe pas la parole, mais s'il vous plaît, la chaîne, juste, c'est pour faire raisonner les gens. Nous ne sommes pas là pour frustrer certaines personnes. Voilà, donc veuillez m'excuser, mais vous pouvez poursuivre. Merci. Allô? Ok. Oui. On vous écoute. Oui, allô? Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous attend. Voilà, donc c'est pour dire aux gens du FPI et aux gens du Ouattara, oui. De se mettre ensemble, oui. De continuer de travailler ensemble, oui. De mettre main dans la main, oui. Pour qu'on puisse négocier pour que le père, oui. Le père, oui. Puisse sortir, oui. D'arrêt. Oui. Mais tu sais qu'on nous demande, oui. Nous-mêmes, les doula, oui. Babou même là-bas, même là, je le jure. Oui. Tout ce que j'ai de ma vie, si mon travail, oui. Moi, ça ne me plaît pas. Oui. Ça ne me plaît pas du tout. Si ça, oui. Ça nous plaît, on a menti. Oui. Nous, on l'aime Babou comme tant qu'il t'aime. Oui. On l'aime. Oui. Mais il faut qu'on voit à la réconciliation, on baisse la tension. Oui. On met un peu de dans notre fin. Oui. Et qu'on fait, on va à la négociation. Oui. Babou m'a dit qu'allons-y à la négociation. Oui. Bon, si vous ne pleurez pas et que vous empirez, oui. Cette affaire dans la boue, oui. C'est grave. Oui. Donc, d'autres ne veulent pas que Babou sorte. Oui. Même les partisans ne veulent pas que Babou sorte. Oui. De là-bas. Oui. Donc, ils n'ont qu'à aller tout simplement mettre le pouvoir en place. Ils, oui. Continuent de négocier. Oui. Et puis, on va suivre ce que ça va donner. Oui. Donc, c'était ça. Ok. Merci, mon frère. Merci pour votre intervention. Tout le monde vous a écouté. Voilà. Donc, je dis, s'il vous plaît, on ne vient pas verter Ranozi. S'il vous plaît, mon frère, nous ne sommes pas là pour injurer. Voilà, on parle ici avec réflexion. Tous ceux qui veulent insulter, ici, on n'insulte pas. Donc, si vous êtes dans des émotions d'injure, désolé, mais vous pouvez aller ailleurs, là où on insulte. Ici, c'est pour faire raisonner les gens. Ici, on est là pour demander aux uns et aux autres de faire preuve de retenue, de pouvoir se mettre ensemble et voilà, on va construire la Côte d'Ivoire.
Parce que tous ceux qui veulent encore le retour d'une autre guerre, peut-être eux, ils sont en vie aujourd'hui. La première guerre les a ratés. Voilà, moi, la première guerre m'a raté. La première guerre a raté tous ceux qui sont en vie aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont ivoiriens. Voulant encore une deuxième guerre, est-ce que cette deuxième guerre va te rater? Est-ce que ça va te tuer ou ça va te rater? Voilà ce que tu dois penser. Est-ce que tes parents, d'autres, ont vu leurs parents qui ont péri, d'autres qui ont vu leurs parents qui n'ont pas été touchés, voulant encore une deuxième guerre, alors est-ce que ça peut t'arranger? Yes, à tuer les parents des autres. Si tu veux encore une nouvelle guerre parce que d'autres Ivoiriens sont déjà morts, peut-être la seconde, ce sont tes parents même qui vont encore mourir. Ou bien toi qui as vu tes parents qui sont morts, tu veux une guerre encore parce que tu veux venger tes parents. Mais tu oublies que tes parents sont morts, tu es le seul à pouvoir reproduire, c'est-à-dire faire des enfants pour remplacer tes parents qui sont morts. Voulant encore une deuxième guerre, peut-être tu vas mourir et ta famille ne va plus exister sur le territoire ivoirien. Alors, on doit penser à ce genre de choses. Vouloir une guerre, je veux, mais quand tu dis je veux, est-ce que quand tu vas aller à la guerre, tu vas t'en sortir? Est-ce que prôner la haine, cela ne va pas coûter cher à ta famille, la vie chère à ta famille qui est au pays? Est-ce que tu as les moyens pour faire fuir ta famille sur le territoire ivoirien? Est-ce que, voici des choses auxquelles on devrait penser. Les politiciens, eux, ils ont les moyens. Leurs enfants ont deux nationalités, c'est-à-dire la nationalité ivoirienne et des nationalités de certains pays étrangers. Donc, en moins de trucs, si on dit qu'il y a un petit souci sur notre territoire, leurs enfants, eux-mêmes, ils peuvent partir sans souci. Mais toi, tu n'as même pas une nationalité d'un autre pays. D'ailleurs, même si tu as une nationalité, tu n'as même pas les moyens, tu n'as pas tes propres moyens pour manger. Et c'est guerre, tu veux, si ça vient là, tu fais comment? Même pour fuir aller au Ghana, pour fuir aller au Libéria, au Burkina, au Mali, je ne sais pas, en Guinée, il faut de l'argent, on paye le transport. Et surtout en temps de crise, le transport augmente. Mais si ça a augmenté, toi tu prends quoi pour payer? Même si tu as ton propre transport, peut-être tu as des enfants, ta maman, ton père, tes frères, tu as de l'argent pour payer pour eux. Alors, si tu veux tant la guerre et que la guerre arrive dans ton village, tu fais comment pour sauver tes parents? Tu ne peux pas dire Dieu merci parce que la guerre a épargné mes parents. Ceux qui ont vu leurs parents mourir, nous déplorons cela et nous contribuons à leur douleur. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour essuyer les larmes de tous ceux qui ont été meurtris suite à cette guerre que nous avons connue? Nous devons faire pour essayer d'essuyer les larmes. On ne paye pas les morts, ce n'est pas pour payer leurs morts, mais on doit mettre un système en place pour pouvoir essayer de venir en aide. Allô, mon frère. Allô, bonjour, je vous appelle depuis le Bénin. Oui. On vous écoute. Oui. Je voudrais intervenir par rapport à votre sujet ce soir. Oui, pas de souci, on vous écoute, monsieur. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, oui, ne devrait pas normalement arriver. Oui. Parce que Oufou Boye avait dit quelque chose. Oui. Que le vrai bonheur de la présidence, on l'a perdu. Oui. Je trouve ça normal. Oui. Quand on était là, oui, c'est vrai que tout n'allait pas très bien, mais au moins le peuple se sentait mieux. Oui. Se sentait mieux parce que Gbagbo, c'est un président qui connaît mieux. Oui. Oui. D'ailleurs, c'est un démocrate. Oui. Vous comprenez? Oui. Il n'est pas comme Alassane Ouattara. Oui. Ouattara, c'est le pire. S'il vous plaît, nous ne sommes pas là pour frustrer les partisans de d'autres leaders, vous comprenez? Ici, nous sommes là pour faire raisonner les gens, pour prôner la paix en fait. Donc le fait d'accuser un leader, ça va encore révolter les gens, vous voyez? Exactement, j'essaie de vous dire. Oui, on vous écoute. Le même candidat, le premier candidat,
Oui. Moi, il a toujours dit qu'il veut la paix et pas la guerre. Oui. C'est exactement ça. En plus, ce que je dis aujourd'hui, et pas plus tard qu'hier, on a vu ce qui s'est passé avec les étudiants. Oui. Oui, on vous écoute, hein. Pas plus tard qu'hier, on a vu ce qui s'est passé. Un camion a foncé sur un groupe d'étudiants. Vous voyez ça, vous trouvez ça normal? Bon, vous êtes là pour nous expliquer. Moi, je ne peux pas commenter ce que vous dites. Donc, nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons. Oui, nous vous écoutons. Donc, vous pouvez parler. Moi, je ne peux pas commenter ce que vous dites, en fait. En fait, je veux vous rappeler, s'il vous plaît, j'ai posé la question parce que je regarde le comportement des partisans des deux leaders. Raison pour laquelle, pour ne pas citer de partisans, j'ai mis le nom de leur leader pour dire Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo veulent-ils encore la guerre? Parce que c'est selon le comportement de leurs partisans, de leurs militants, de leurs sympathisants que j'ai mis. Oui. C'est lui qui est le président actuel. Oui. C'est lui qui devait normalement courir la paix. Même Oui. si c'est même si les sympathisants de Gbagbo Oui. et comment dire, même qui est chaud de mal, c'est à Alassane Ouattara maintenant de calmer. Mais au contraire, ce qu'on voit, Oui. c'est lui qui crée encore le désordre. Oui. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc c'est que, écoutez, ce que vous avez mis en bas, moi, je n'ai rien contre. Mais ce que j'essaie de vous dire, il faut comprendre. Oui. On ne veut plus de ces présidents. Oui. Vous comprenez? Oui. On ne veut plus de ces présidents en Afrique. Oui. Nous, on ne veut que la paix. Oui. Vous comprenez ce qu'on dit? Oui, je vous on comprends. On ne veut plus la guerre en Afrique. C'est la paix maintenant. Oui. Maintenant, quel président il faut choisir? Oui. Vraiment pour la paix. Oui. La Côte d'Ivoire a toujours été en guerre. Oui. Et ça ne suffit pas. Ce qui s'est passé avec les étudiants aujourd'hui, moi, je trouve ça anormal. Oui. Je comprends. Et cela peut encore créer. Cela peut encore créer deux choses. Babo, lui, il n'est pas au pays. Oui. On l'a incarcéré et il est là. Oui. C'est pourquoi j'ai dit en tout temps que le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Oui. Donc on ne veut plus. Voilà, un président, un gouverneur de la France d'ailleurs. Oui. Vous voulez pour le vous, c'est lui qui crée la guerre. En Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara, c'est pas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est un homme de paix, lui veut tuer la paix. Mais Alassane Ouattara, c'est pas un homme de paix. Faut comprendre. Donc, ce que moi je dis, oui. je vais lancer une alerte oui. aux sympathisants de Gbagbo, de ce oui. calmer, pour qu'on ne dise pas après, c'est un bien truc là. Ils n'ont qu'à se taire, ils n'ont qu'à se calmer. Oui. Et là, la situation, ils vont essayer de voir et gérer ça. Sinon, ce qui se passe là, oui. c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Et on connaît Alassane Ouattara. Oui. C'est un suivi des Français. Oui. Mais il peut pas gérer un pays africain. Avec des présidents comme ça, l'Afrique ne connaîtra jamais de développement ni oui. d'évolution. On sera toujours comme on est. Oui. Donc lui, de l'eau dans son verre et de confondre les étudiants parce que c'est partout. Oui. Ça là, au Bénin, on en a vu. C'est pas seulement que ça se passe. Mais c'est pas de la façon là on oui. traite les étudiants. Oui. Parce que si Alassane Ouattara, lui, est président, c'est grâce aussi aux étudiants. Oui. Donc, des présidents comme ça, on n'en veut plus. Oui. En Afrique. L'Afrique doit être libérée. Oui. On vous écoute. Donc, il faut... Oui, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir maintenant. Ok. Le nom que j'ai vu à Alassane Ouattara là, vraiment ça m'énerve déjà. Ouais. Bye. Vraiment, merci pour votre intervention. Tout le monde, voilà, vous a écouté. Donc, je pense que chacun va prendre ce qui est le plus nécessaire et rejeter la mauvaise pensée. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous voyez, moi, pour ceux qui sont confus un peu, qui disent le nom de Babo, le nom de Ouattara, cherche quoi sur, voilà, l'énoncé de ma vidéo,
J'ai mis les deux noms parce que pour ceux qui se battent aujourd'hui, c'est à cause de ces deux-là. Gbagbo Ouattara, Gbagbo Ouattara Bédié, Gbagbo Ouattara Bédié. Mais les membres du PDCI, on ne les voit pas trop sur les réseaux sociaux pour s'aimer la haine. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux pour s'aimer la haine, c'est les pro-Gbagbo, les pro-Ouattara, les pro-Gbagbo, les pro-Ouattara, les pro-Soro. Donc, c'est ceux-là qui sèment la haine hein, dans les cœurs de nos petits frères, de nos enfants. Et pour mettre fin à ça, il faut sensibiliser les gens. Raison pour laquelle, comme je ne peux pas mettre tous les noms, alors j'ai préféré prendre les noms des deux leaders, des deux grosses têtes, hein, des grands partis politiques de la Côte d'Ivoire en dehors du PDCI, parce que je sais que le PDCI est un grand parti politique, mais en dehors du PDCI, le FPI, le RDA, j'ai pris le nom, les noms de ces deux partis-là, les leaders de ces deux partis-là pour mettre ça là-bas. Parce que je sais que ceux qui s'affrontent aujourd'hui, ce sont les pro-Gbagbo, les pro-Ouattara. Alors, si je demande, est-ce que Laurent Gbagbo et Ouattara veulent toujours aller en guerre, veulent encore amener une nouvelle guerre en Côte d'Ivoire? Ma vision est que, pourquoi, si Laurent Gbagbo et Ouattara ne veulent pas aller en guerre, pourquoi est-ce que leurs militants sont haineux d'une manière incontrôlée? Pourquoi leurs militants sèment la haine dans les cœurs des gens? Pourquoi leurs militants sèment le désordre en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce qu'on suit un leader par rapport à ses idées. Donc, si vous sèmez la haine, c'est que vos leaders, ils aiment la haine, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas moi qui ai inventé. Alors, chacun suit l'idéologie et la philosophie de son leader. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon président. C'est Kassim Karamoukou à l'appareil. Ah, ok. Maître Kassim, on vous écoute. Bonsoir à tous les frères et à tous les auditeurs. Monsieur, comme d'habitude, je vais essayer de me prononcer tant bien que mal sur le sujet annoncé. Oui. Ouattara et Gbagbo. En fait, moi, je dirais, bon, et comme je viens de vous écouter, tout de suite, vous allez. Oui. Alors, sur les mois, je remonterai juste à Didier. Oui. Il faut reconnaître que notre pays a commencé à dandiner, effectivement, avec l'avènement du multipartisme. Oui. Hein? Oui. Et surtout, juste après la mort du président de l'Institut. Oui. Parce que, Didier, oui. Il va falloir qu'en Afrique, on apprenne un peu à faire la psychanalyse des gens qui sont à nos pays. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête réellement de tout un chacun, en fait, de nos soi-disant leaders? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vous comprends. Moi, je parle de lui. Voilà quelqu'un qui avait une conception, oui. Je veux dire, bourgeoise de la vie. Oui. C'est-à-dire, pour lui, le pouvoir, c'était un acquis personnel. Oui. Qu'il fallait célébrer et puis en jouir autant qu'il le faisait. Autant qu'il le fallait. Oui. Tous ceux qui venaient sur lui le déranger, oui. et dans sa gestion étaient tous ses ennemis et donc des gens à abattre. Oui. C'est un problème parce qu'au fond, il n'était pas là pour un projet de société, il n'était pas là pour son peuple. Ça, c'est désolé. Voilà encore un lien à la fin de Ouattara. Oui. Quelqu'un qui se regarde lui comme. Oui. Comme le champion de tout, c'est-à-dire lui, il est au-dessus du lot, oui. Donc est-ce qu'il a développé un égo démesuré, un orgueil sans fesse, alors oui. qu'il ne se voyait pas autre que à la tête des autres. Sinon, quand lui n'est pas à la tête, il n'est pas content. Oui. Est-ce que tu comprends ça? C'est à la oui. fin de la parole. Je défends maintenant à dire Guéry Robert, voilà quelqu'un qui a été brimé, frustré. Oui. Et alors donc, à la moindre occasion qu'on lui a donné de prendre une revanche, oui. il n'a pas hésité. Oui. Il n'a pas hésité. Et à un moment donné, on lui a donné l'occasion de pouvoir sauver son pays, de pouvoir entrer, comment on appelle ça, à la grande porte dans l'histoire même de l'Afrique. Oui. Il a échoué. Parce qu'il était animé d'un esprit qui n'était pas républicain, qui oui. n'était pas national. Oui. C'est-à-dire que ce qui l'animait, c'était sa revanche personnelle. Oui. Je reviens maintenant à Laurent Gbagbo. Oui. Voilà quelqu'un, quand on aime Gbagbo ou on n'aime pas, oui. bref, l'homme dégage un charisme, c'est un animal politique, voilà quoi, incontournable dans l'historiographie politique. Oui. Mais voilà quelqu'un qui, à peu près comme
qui a causé pas mal de frustration. Oui. Et qui venait d'un milieu défavorisé, c'est-à-dire c'était l'homme du terroir, l'homme populaire. Oui. Alors donc, qui, à un moment donné, qui pour lui, et pour remonter la pente, il fallait qu'il soit président et qu'il veut prendre la revanche sur les autres. Oui. Donc, du coup, quand tu regardes la foule, parce que sinon, je vais te prendre un exemple. Oui. Mon frère, tu dis. Oui. Et moi, je ne connais aucun enfant de Côte d'Ivoire qui a fait sa scolarité en Côte d'Ivoire. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ils étaient tous à l'étranger. Mais il faut avoir un amour profond pour ce pays-là quand tu analyses. Parce qu'il faut être celui qui a doté la Côte d'Ivoire de toutes sortes d'infrastructures. Oui. Et tout sur le plan éducatif et sur le plan économique. Oui. Donc, en fait, il faut. C'est vrai, c'est quelqu'un qui aimait l'argent, qui m'a donné l'argent. Oui. Mais on sait, il faut être un patriote fait. Il aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Oui. Mais contrairement à tout ce que je viens de citer là, oui. Aucun d'entre nous n'aime la Côte d'Ivoire réellement. Oui. Parce que quand tu aimes ta maman ou quand tu aimes ton enfant, oui. Toi, dans la manière dont tu traites et ton enfant, oui. Les gens n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas les Ivoiriens, ils aiment l'hiver. C'est pareil pour Alassane, pareil pour Guy, pareil pour Bakou. Donc, du coup, c'est ce qui a créé cette situation là en nous. Oui. Maintenant, et chacun à son niveau, bon, je vais enlever, on va dire qu'il est en face du démon. Oui. Mais les trois dinosaures qui restent là, oui. quand tu analyses bien, aucun ne parle du pays, chacun parle de sa carrière et de son temps. Oui. Et ils n'ont que ça à la bouche. Oui. Leur carrière, leur temps. C'est-à-dire qu'on veut garder le pouvoir, il faut prendre le pouvoir, et voilà, c'est tout. Mais personne ne parle de la Côte d'Ivoire. Mais quelle solution vous proposez, maître Karamoko? Ok, ce que moi je propose, c'est oui. demande à nous les jeunes, n'est-ce pas, de prendre nos responsabilités. Oui. C'est-à-dire, en faisant quoi? Au FPI, au RDR, au PDCI ou bien au RSDP, mais il faut il y a des élections bientôt qui vont s'ouvrir là, mais il faut que les jeunes aillent s'inscrire d'abord sur les listes électorales et que les jeunes trouvent des leaders pour remplacer. Mais on a vu Macron en France, quand tu regardes un peu l'Europe aujourd'hui est gouvernée par les jeunes, n'est-ce pas? Oui. À un moment donné, il faut que les jeunes Africains se donnent les moyens de prendre leur destin en main. Mais est-ce que, excusez-moi, mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, un jeune peut prendre le pouvoir, sachant bel et bien qu'il y a une loi qui interdit les personnes en moins de 45 ans de se présenter aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui. Capable de comprendre la Côte d'Ivoire, c'est pas ce qui manque. On a formé quand même des gens, n'est-ce oui. pas? Oui. C'est pas juste en 2020, je pense que moi j'ai 40 ans, oui. je pense que pas mal de gens qui vous suivent, ils ont déjà 40 ans. Oui. Je veux dire, à un moment donné, même si c'est pas des jeunes, quelqu'un de 50 ans n'est pas dur, quelqu'un de 55 ans n'est pas dur. Oui. Tu comprends? Donc, oui. À un moment donné, il va falloir que je pense qu'il faut consommer ce divorce-là, c'est-à-dire. Créer une sorte de rupture entre nous et cette vieille garde-là, oui. il ne faut que nous tirer par l'arrière. Parce qu'avec ces gens-là, moi je te dis, mais pour Bakou, pour Ouattara, pour Bidi, avec eux, mon frère, on ne va jamais s'en sortir. Oui. Jamais. Donc, maître Karamoko, voulez-vous nous dire que les Ivoiriens doivent prendre leurs responsabilités ou dégager tous les antagonistes qui sont impliqués, qui nous ont envoyé ce problème de division, de guerre et tout ça? C'est ce que vous voulez nous dire? Voilà, là tu m'as compris. Tant que, Bakou, Ouattara, Bibi, seront cités, même Soro, qui est un jeune, mais à elle pour moi, mais voilà une bêtise encore de Laurent Bakou, oui. qui a mis un rebelle. Oui. Quelqu'un qui a osé prendre les armes, oui. son propre peuple, débarquer en Côte d'Ivoire le 19 septembre, en une journée, ils ont fait 400 morts, ils ont débarqué en plein cœur d'Abidjan. Oui. Tu veux sur notre peuple? Bouger nos institutions. Et ils ont été amnistiés et à qui on a donné. Il avait un budget de 30 milliards. Oui. C'est-à-dire, lui et ses amis ont bénéficié des postes les plus juteux de la Côte d'Ivoire. Oui. Mais voilà encore. Chaque fois que je t'appelle, je parle de responsabilité. Oui. Voilà, parce qu'on n'a pas été responsable. Oui. Et aujourd'hui, il est à la haine. C'est parce qu'il se plaint. Mais il fallait qu'il prenne ses responsabilités d'emblée. Oui. Donc, du coup, Bakou, Soro, Ouattara, et de Bédier, oui. tant que ces gens-là seront cités dans la politique ivoirienne, oui. après, on aura du mal avec la tête. On aura beaucoup de mal. Parce que ces gens-là, au fond, ils sont nés, grandis, dans le plus patriage et puis dans la combine. Tu comprends?
Oui. Ouattara a fait de la combine. Oui. Donc, il y a fait de la combine. Bafou a fait de la combine. Et il y a fait de la combine. Sorokium a fait de la combine. Oui. Des combinats, est-ce qu'on peut leur parler de règles? Quelqu'un qui est habitué à la combine, est-ce que lui peut respecter une règle? Ça, je ne peux pas commenter, c'est à vous de nous expliquer. Aucun d'entre eux n'est démocrate, comment tu le dis? Aucun n'est démocrate. Oui. Quand tu analyses bien, aucun. Des pétiers juste à ce niveau, aucun n'est démocrate. Oui. Donc, à un moment donné, il va falloir que nous, les jeunes, les femmes, les jeunes, la société civile ivoirienne, oui. Les hommes politiques ivoiriens, en tout cas la nouvelle génération d'hommes politiques ivoiriens, prennent leurs responsabilités. Même si ces gens-là, on ne les met pas en prison, mais écoute, qu'ils enlèvent leur bouche dans notre politique, nous, on peut avancer. Le Ghana est en train d'avancer. La Tanzanie, le Kenya, les pays sont en train d'avancer. Nous, on est encore à la traîne. Alors que nous sommes un pays à forte potentialité. Est-ce que tu imagines, Dédé, nous, les 65% de la population ivoirienne à moins de 30 ans. Mais comment faire pour enlever ces idées dans les têtes des Ivoiriens? Parce que c'est comme si c'était une drogue qu'ils avaient fumée et que ça n'arrive pas à se dégager dans leur mémoire. Parce que l'esprit de Gbagbo, l'esprit de Ouattara, l'esprit de Soro, l'esprit de Bédier fatigue la jeunesse ivoirienne et même les vieillards ivoiriens. Comment nous devons faire pour enlever les esprits de ces personnes qui les fatiguent? Quelle solution vous proposez, Maître Karamoko? Moi, je propose par exemple un dialogue national. Oui. Parce que sous Gbagbo, il a essayé d'instaurer. Oui. Un système de forum de réconciliation nationale, oui. qui était parti d'avance, donc ça n'a pas payé. Oui. Alors ça a fait pareil, c'était parti d'avance, ça n'a pas payé. Oui. Mais maintenant, comme eux-mêmes qui seront là, comme des acteurs, oui. ou des téléspectateurs, alors donc aucun d'entre nous ne sera au pouvoir, on pourra dégoupiller cette chose-là. Mais tant qu'on ne va pas instaurer un dialogue national, c'est-à-dire les groupes ethniques, les groupes de jeunes et les chefs religieux, oui. les chefs traditionnels, les jeunes, les acteurs politiques. En tout cas, tant que nous n'allons pas nous asseoir, oui. et que chacun mette, situer la responsabilité de chacun, oui. placer chacun face à ses responsabilités et face à ses échecs, on ne va jamais s'en sortir. Il faut que les gens du FPI reconnaissent qu'à un moment donné, Gbagbo, dans son amour du pouvoir, il oui. a commis des erreurs. Il faut que les gens du FPI reconnaissent qu'Alassane Ouattara, dans sa quête du pouvoir, oui. il a commis des erreurs. Il faut que les gens du reconnaissent qu'à un moment donné, Bédier, dans sa manière, en fait, dans son envie de conserver le pouvoir, de déterminer au pouvoir, oui. il a commis des erreurs. Il faut que les partisans maintenant de Sorokium comprennent que Sorokium, en voulant soi-disant instaurer la justice et la paix, oui. il a commis des erreurs. Et il faut aussi que les amis de Guéhi oui. comprennent que Guéhi, il a voulu prendre le pouvoir alors que ce n'était pas sa mission première. Oui. Tant qu'on ne veut pas reconnaître chacun son erreur, hein, oui. Voilà pourquoi chaque fois que je t'appelle, je parle de responsabilité. Responsabilité, la gestion oui. est quelque chose de très compliqué et quelque chose de très responsable. Pour être un bon maire, un bon député, oui. un bon ministre, il faut être quelqu'un de responsable. Quand on n'est pas responsable, ça ne répondra jamais. Mais le problème des Ivoiriens, quand tu analyses bien, oui. on a un grand manque de responsabilité. Oui. Alors, regarde, la plupart des partisans de Gbagbo, oui. ils essaient d'expliquer l'échec de Gbagbo. Oui. Oui. Mais Maître Karamoko, est-ce que pensez-vous que ce que vous êtes là affirmé ce soir peut avoir lieu ou bien peut être possible ou impossible? Parce qu'il ne suffit pas de parler, il suffit de voir les actions se mener sur le terrain. Mais qui peut prendre la responsabilité pour mener ces actions? Sinon, ce ne sont pas des mauvaises idées, mais. Oui, mais c'est pour dire que si l'armée prend ses responsabilités, il faut qu'on oui. Trois ans, on réécrit la Constitution. Hein? Oui. Si
sache que un coup d'état militaire ne va pas encore semer encore le désordre dans notre pays. Ça ne peut pas. Ouais. Ce sont les militaires. Oui. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, à un moment donné, quand le militaire qui va prendre le pouvoir, il n'est pas comme lui, s'il prend ses responsabilités, oui. Il prend ses responsabilités et que c'est un vrai patriote, il peut nous apporter la stabilité. Oui. C'est-à-dire, se fixer un objectif clair, avec une manière de travailler très claire, Oui. Tu vas voir, les hommes politiques vont se plier. Et puis, l'instauration, par exemple, de la peine de mort. Oui. Quand ils vont au-delà de 50 000 francs, c'est bon, c'est tout bien, c'est bon. Tu vas voir, tout le monde va se libérer. Oui. Quand on s'inscrit là, quand on s'inscrit pour prendre des lois dures, comme Rolling Flapper, oui. Il a pris des lois dures, il a pratiqué une politique, c'est-à-dire rigoureuse, de rigueur, mais le résultat est là, le gars est en train d'avancer. Mais instaurer une telle loi, sachant bel et bien qu'on n'a pas encore donné de l'emploi aux Ivoiriens, pourquoi vouloir voter des lois qui sont dures, qui vont coûter cher au peuple, sachant bel et bien que l'État est incapable de donner de l'emploi à la jeunesse? Est-ce que c'est possible? Oui. Mais nous voyons le chômage. Qui est à la base du chômage? De la richesse nationale. Oui. Selon la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup d'argent. Oui. Mais c'est